Deux, ya pili, séparation avec l'incrédulité. Kujitenga na kuto amini. Deuxième chose dans la foi d'Abraham. Jambo la pili ambalo tunapaswa kuwa nalo katika kuamini. Séparation avec l'incrédulité. Kujitenga na kuto amini. Genèse 13:7. Mwanzo 13. Je l'ai ici. Niko nayo hapa. On est déjà en route. Tupo njiani tayari. Il y a querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Kukawa magomvi kati ya wachungaji wa Abraham. Et les bergers des troupeaux de Lot. Na wachungaji wa kundi la Loti. Les Cananéens, les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Wakanana na Waferezi walikuwa nakaa katika inchi. Abraham dit à Lot. Abraham kamwambia Lot. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Kusiwe magomvi na kusii kati yangu na wewe. Ni entre mes bergers tes bergers. Na kati ya wachungaji wetu. Car nous sommes frères. Maana sisi ni wandugu. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Je inchi yote si mbele yako. Sépare-toi donc de moi. Kwa hiyo jitenge na mimi. Si tu vas à gauche, ukienda kushoto, j'irai à droite. Nitaenda kuume. Si tu vas à droite, ukienda kuume, j'irai à gauche. Nitaenda kushoto. Mm-hmm. Tunakufia nini? Oh, qu'est-ce qui nous sépare? Qui a-t-il en chuka? Tu descends? Nitapanda. Je vais monter. Kipanda? Et si tu montes? Nitashuka. Je vais descendre. Mais hatutaishi? Mais nous n'allons pas vivre. Mikokotano. Mm-hmm. Dans des troubles. Unaambia uko rafiki yangu. Tu me dis que tu es mon ami. Depuis mimi niliamini. Depuis que j'ai Christ. Sikunye pombe. Je ne bois pas de l'alcool. Sikwena niita tena seme nikukutane kwenye unakunyia. Faut plus jamais m'appeler pour venir te rejoindre là où tu prends de l'alcool. Ou bien tusirafikiane tena. Cessons d'être des amis. Ou bien kitaka niongelesha unikutane hapa. Si tu veux me parler, viens ici. Lekwa na niita tena niende ikala mwele nganda banamuke abinusu bako na nipitako. Si tu m'appelles encore pour aller là où les femmes prostituées font si les défilés, tena, je ne viendrai plus. Rafiki ishie hapa. Notre amitié que ça cesse par ici. Ukiona mtu aliamini. Si tu vois un homme na naendelesha urafiki wa roho ya sana na marafiki mapagani bazama. Continue des amitiés avec des faux amis là. Il y a deux choses. Wala hakuokoka ngali mwa hivyo. Pas cri réellement il est dans ses yeux. Wala ni mkristo wa kukaza. Ou bien c'est un vrai chrétien. Wale marafiki bataamini fin de fin. Ses anciens amis vont aussi le suivre en coin. Sasa marafiki yako ba depuis 5 ans balisha mini mobanga. Mais tes amis de depuis 5 ans parmi eux lesquels ont déjà cru. Ushaleta bangapi kwa Yesu? Tu as déjà amené combien chez Christ? Bona kama hawakuamini. Ushafikisha bangapi mkanisa yenu? Et si au moins ils n'ont pas cri, combien tu as amené dans l'église? Baka kusanyika qui ont bika washinda mena ule bakanyangisha mu église. Qui ont échoué mais tu les as fait arriver à l'église. Ukabambia ibi njo tunakuwa kama. Tu leur as dit voici ce que nous kama unaona kasi kunyake ni ile mahubiri usiki. Si vous me voyez changer la position c'est à travers cette parole que vous me voyez. Kama si tika que unipe mabeze. Si tu ne me vois, je n'accepte pas que tu me donnes le usikia. C'est à cause de ceci. Ulishaleta bangapi? Tu as déjà amené combien? Basi amini mena ulibaleta. Même s'ils ne croient pas, est-ce que tu les as amenés? Il y a quelqu'un. Tu vois, il a des amitiés. Il a une équipe là. Suspecte. Écoute-toi, mais qui est suspect? Il y a un problème. Alors, le lot ici. Ça, c'est où il est? Qui l'a suivi? Sans savoir où il y va. Bila kujua kwenye naenda. Maintenant, le temps de décision arrive. Sasa wakati wa kuamua unafika. Abraham lui dit. Abraham kamwambia. On ne peut pas. Hatuwezi. Vous savez qu'est-ce qui a été le problème? Munajua shida ilikuwa. Quand Abraham est au genou. Abraham alipokuwa akiomba. On l'appelle. Wanamuita. Eh, on se bat là-bas. Eh, wachungaji wanamuita. Il est obligé d'interrompre la prière pour aller voir le problème des bergers. Inabidi akate maombi aende tatua mizozo ya wachungaji. Il est allé à l'église. Ali poenda hekalu. Il est allé adorer. On lui dit. Wanamwambia. Non, rentrez. Hey, il y a un berger qui vient de tuer notre. Kuna mchungaji ameua mwenziwe. Abraham dit ceci. Abraham akasema. Siwezi kubakia mu maisha ya torture ya kila siku. Je peux pas rester dans des vies de querelles de chaque jour. Ulinifuata. Tu m'as suivi. Mais ba berger yako ni ba païen. Mais tes bergers sont des païens. Na wewe nyebi likuleka siko sûr na rien. Si tu as amené aussi je suis pas sûr de ça. Mi niko grand. Moi je suis une grande personne. Si tu chagua wa kwanza. Je ne vais pas choisir le premier. Wewe petit chagua. Toi qui es mon petit, choisis le premier. Ah oui. Amen.
Niko grand. Je suis grand. Nisipande. Je ne vais pas monter. Kisha wewe useme. Et que tu dis après? Alienda fasi ya bien jour ni grand. Il est allé au bon milieu parce que c'est bien utaacha. C'est que toi tu vas laisser. Je veux mimi d'atoile. C'est ce que je choisis. Mais tu es na amani. Mais soyons en paix. Amen. Amen. Abraham se tient comme ça. Abraham a quand jisimamia. La Bible dit. Biblia inasema. L'autre leva les yeux. L'autre kainua macho et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Akaona bonde lote ya Yordani ambayo ilikuwa imenyunyiziwa. Avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorre. Mbele Mungu afikie kuharibu Sodome na Gomorra. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel comme le pays d'Égypte. Ilikuwa Tsoari sawa bustani ya Mungu kama nchi ya Misri. C'est là où il a dit. Ni pale alisema. Oncle. Muyomba. Moi je vois une ville là-bas de l'autre côté. Amini naomba bonde nzuri ngambo fulani. Moi je descends là-bas. Mimi nashuka kule. Kwa la vie des montagnes non. Maisha ya kumilima pana. Moi je descends. Mimi na telemka. Bye mon petit. Abraham kasema uende ndugu yangu. Gani bambie. Je vais vous dire. Uko nafanya hange. Faire attention. Uko vitu naweza jitia maseme mebichagua. Il y a des choses qui se placent dedans que tu as. Na njoo mwenye muko maangamizi. Pendant que cela qui a ta chute. Si ni mwingine anachagua njoo nenda kumumaliza. Oui, le lien qu'il a choisi c'est le lien qui a. Yeye aliona mabonde. Lui a vu les vallées. Akaona mashamba. Il a vu des champs. Akakuwa attiré. Il a été attiré. Kule njoo kwenye batenda kalunguza mwingine. C'est là qu'on allait qu'on ira finalement détruire. Usichagule kanisa juu ya magari ngapi ziko hivi. Faut pas choisir une église parce qu'il y a beaucoup de véhicules à l'extérieur. Amen. Chagua kwenye unayua seme. Choisis là où tu sauras que. Ninaweza kuendelea kupatana na Mungu. Je peux aller en continuer. Même si hakuwezi kuwa utajiri. Même s'il y a pas de la richesse là. Amen. Même si amuna la. Même s'il y a pas d'argent dans cette église. Mais useme. Et que tu dises. Il choix. C'est choix. Si t'es regretta. Je ne le regretterai jamais. Amen. Oh, c'est là qu'il a choisi qu'il est parti. Même si akukufa iko njo kwenye walienda lunguza mwingine anaitwa kama chupu chupu. C'est le lien qui a été détruit par les anges. Et il est sorti par grâce. Amen. 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 Donc la deuxième leçon c'est celle-ci. Sasa, somo la pili ndilo hili. N'accepte pas une vie spirituelle. Usitikake maisha ya kiroho. Qui ne te permettra pas d'avoir la liberté d'adorer Dieu. Ambayo hayatakupa uhuru wa kuabudu Mungu vizuri. N'accepte pas un mode de vie. Usitikake maisha yenyewe. De marcher avec des amis. Utembee na marafiki. Qui t'empêche de te sentir pleinement libre devant le Seigneur. Watakao kuzuia usijisikie uhuru kinaganaga mbele ya Mungu. Parce qu'après tout, sababu hata hivi, après la vie c'est la mort ou l'enlèvement. Nyuma ya kuishi ni kufa au kunyakuliwa. Rassure-toi que un lot qui est de ton côté ne peut pas t'empêcher de chercher Dieu. Hakikisho ya kwamba loti aliye karibu nawe hata kuzuia utafute uso wa Mungu. Kama mtu mwenye natukanaka kila siku ibada. Ma quelqu'un qui injure chaque jour le culte. Njo mwenye mnakuwa kanaye kota kota. C'est cela que tu fréquentes à tout moment. Ukigonjwa, si tu es malade, ukimwambia batakuombea, et quand tu dis qu'on va te prier, il irsu. Ha, mimi même na uponyaji wa kiungu. Il se moque, il ne croit même pas la guérison divine. Non, non. Ukipata shida, si tu as un problème, unasema utauliza batumishi shauri, tu dis que tu vas poser des questions au serviteur, il te rit. Nikwambia wale bako na nini? Et ces serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Mwabo unaonaka est-ce que mko mtu anormal? À travers ces serviteurs, est-ce qu'il y a quelqu'un de normal? Mtu mwenye hawezi ku détecter même uwepo wa Mungu. Quelqu'un qui ne peut même pas détecter la présence de Dieu. Njoo rafiki. C'est lui là que tu fais ton ami. Est-ce que unajua tu sais? Je vous ai dit encore. Mwache nibiseme mzuri. Je vais encore le dire maintenant. Kuna wabinti wengi. Les filles ici wakati nombreuses. Wakati wa kufanya ndoa bana regretter. Lorsque vous faites le mariage vous regrettez. Na cause. Et la cause c'est quoi? Warafiki zao vijana wabinti. Les amis filles. Waliwasukuma mubitu ibaya. Ils ont plongé dans de mauvaises choses. Ni siku ya ndoa na jiretrouve. Et le jour du mariage, elle se retrouve. Aba bali nikosea. Non, mes amis m'avaient vraiment rendu mauvais service.
Vraiment. Ningezoe ya ba fille ba zuri. Mais si vous seriez habitué à des bonnes filles, singe kutana na hii problem. Tu n'aurais pas ces problèmes là. Ça c'est vrai. Tunaambia pasteur unataka sema nini? Le pasteur bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ba msika balishasikia. Les filles ont déjà compris. Na ba mama balishasikia. Même les mamans ont déjà compris. Oui oui. Exact. Musika mwenzako mwenyeko nakwambia seme kama uanze yuana na bagarso na ungali fie hautaolewaka mzuri. Ule ni rafiki. Ton ami qui t'a dit que si tu ne te connais pas avec des garçons, tu ne seras pas bien marié. Est-ce que c'est une amie? Non non. Bo toi chevile. Laissons ces histoires. Musika alishasikia. Kila mbegu, kila neno ni mbegu. Amen. Chaque parole c'est une semence. Oui oui. Amen.